C'est un peu le cercle des footballeurs revanchards. Le Stade Malherbe aborde cette nouvelle saison en Ligue 1 dans ses petits souliers. Sauvé sur le fil la saison dernière, le club normand la joue modeste avant cette première journée à Montpellier. C'est ce que je vais dire aux joueurs samedi. Déjà, apprécier le plaisir d'être là, de faire un déplacement, d'aller à Montpellier, d'être en Ligue 1, de participer à ce championnat. Même si on sait que la saison passée a été crispante, on va dire. Et pour se décrisper, Malherbe voulait frapper fort et se rebâtir une équipe. Mais pour l'instant, Caen doit se contenter d'un mercato tristouné. Seulement 6 joueurs sont arrivés. Aucun n'a fait ses preuves en Ligue 1, sauf les défenseurs Alexander Djikou, arrivé de Bastia, et Frédéric Guibert, définitivement transféré de Bordeaux. Rien de bien folichon donc en ce début d'été, marqué aussi par une série de matchs amicaux mitigés. Quand on sort d'une année comme on a fait, forcément on sait que ça va être difficile, donc à nous de tout faire pour que ce soit le moins difficile possible et je vous dis de se maintenir le plus vite possible. Ouais. Vu qu'on a aussi des fins de calendrier assez compliquées, donc voilà, je pense que le début de championnat va être important pour nous. Ouais. Sur le papier, le mois d'août est a priori abordable pour les Canets. Après Montpellier, Caen affrontera Saint-Étienne, Lille et Metz. 4 matchs à bien négocier pour s'offrir une fin d'été en pente douce.